tout le monde. Ah bah, je suis dans ma loge, là, à Châlons-en-Champagne. Il est 16h et dans une demi-heure, je vais passer sur la grande scène là-bas pour des milliers de personnes. Je me suis déjà tapé 200 km pour venir et vous allez voir que la journée n'est pas finie. Il va y avoir plein de choses. À tout à l'heure. Et on fait tourner les serviettes. Quand t'es petit, t'es chivouette. Ça nous fait du monde des patates. C'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes. Quand t'es petit, t'es chivouette. Ça nous fait du monde des patates. C'est bon pour la tête. Ouais. Regarde, regarde. Monsieur le curé, monsieur le curé, venez de l'autre côté. Tu vois, à la sortie du gala, il y a tout. Il y a une petite fille qui pleurait parce qu'elle voulait boire. Il y a un grand garçon qui est un émissaire de Dieu. Voilà, qui va me protéger sur toute la route qu'on a à faire maintenant. Parce que maintenant, il y a de la route. Allez, c'est parti, on est remonté dans la voiture. Il y a mon pianiste préféré qui est derrière, mon petit Pascal. Il y a mon Lolo qui conduit consciencieusement. On va se retaper 200 bornes pour rentrer à Paris. Et à peine arrivé à Paris, eh ben, je vais sauter dans ma voiture. Je vais prendre moi le volant et je vais me taper 500 bornes de plus pour aller à Martel chez moi parce que demain, on commence à répéter Le secret des cigales avec mes copains. Je suis rentré à la maison faire une petite halte pour dîner très très vite. Je vais en profiter pour faire un bisou à ma fille qui va fêter son anniversaire demain. Je ne pourrais pas être là, mais on fêtera ça plus tard. Un bisou s'il vous plaît, mademoiselle. Voilà. Et puis, je reprends la route et c'est parti. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui conduis. Je suis dans ma voiture, je suis en train de conduire. J'ai 500 bornes à faire et je suis en pleine forme. Et je vais en profiter pendant tout le voyage pour écouter le texte de la pièce de théâtre qu'on va jouer demain. Donc, je vais travailler, en fait. J'écoute là. Je sais pas si c'est une bonne idée que t'ailles de revenir ici avec Joséphine. Eh ben là, il est 3h du matin. Je suis bien arrivé à destination. Donc, normalement, à cette heure-ci, on doit aller se coucher. Ah ben non. Un petit café. Et puis, l'ordi est là, ici. Deux petites heures d'écriture sur la nouvelle pièce que je suis en train d'écrire qui s'appelle « Avec élégance ». Voilà. Ben, c'est une journée ordinaire, finalement. Quand on fait le bilan, 1000 km, dont 500 au volant, un spectacle devant 8000 personnes déchaînées, des bisous, un peu de répétition dans la voiture, un peu d'écriture en arrivant. Finalement, c'est pas mal pour un homme blanc de plus de 50 ans. Qu'est-ce que je dis ? Un homme blanc de plus de 65 ans. Et je vous jure sur la tête de ma fille que je ne prends rien d'artificiel. Alors c'est quoi le secret ? Le secret, je vais vous dire, c'est la bienveillance. La bienveillance que je donne et la bienveillance qu'on me renvoie. Vous ne pouvez pas savoir comme ça file la pêche. Je vous fais un gros bisou. Parce que demain, je répète à Rocamadour, chez ma copine Coco, le secret des cigales.